Il y en a qui ont lu les tuniques bleues. On va parler un petit peu de la guerre de sécession. Il y a deux infos marrantes à propos de la guerre de sécession. Premièrement, c'est qu'en proportion, il y a plus de généraux qui ont été tués que de soldats. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup moins de généraux. Donc forcément, il y a moins de généraux en nombre qui sont morts que de soldats. Mais parmi les généraux, il y a 33% des généraux qui sont morts. Alors que parmi les soldats, il n'y a que 25% des soldats qui sont morts. Parce que les généraux, vous savez, c'est ceux qu'on voit dans les BD qui disent chargez, qui étaient tout devant. Ils se faisaient buter une fois sur trois, les mecs. Et l'autre info intéressante, c'est que parmi les soldats, c'est pas les balles qui ont le plus tué de soldats. C'est les maladies. Et ça, perso, je trouve que c'est un truc de ouf.